Vous le savez peut-être, il existe une liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, qui est gérée par l'UNESCO. Cette année, nous avons l'ajout de la baguette française, de la ressa tunisienne, de la rakia serbe et d'autres choses dont je n'ai pas connaissance. Et il y a un retrait. Oui, un retrait. Et c'est un événement, plutôt un festival belge qui se nomme Ducasdat. Un événement qui n'est pas nouveau du tout, qui date pour sa création du XVIe siècle. Et pourquoi ce festival a été soustrait? Nous allons en savoir plus. Ce festival belge, dans lequel apparaît un sauvage grimé en noir, avait été dénoncé par plusieurs pays africains lors d'une réunion. Résultat, retrait de la liste. Que nous dit cet article? L'UNESCO a décidé de retirer de la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité la Ducasdat, en Belgique. Un festival dans lequel apparaît un sauvage grimé en noir, des chaînes autour des poignets. Plusieurs pays africains ont soulevé la question à la 17e session du Comité du patrimoine immatériel de l'UNESCO qui était à Rabat cette année. Les délégués ont en particulier évoqué le contexte du mouvement Black Lives Matter aux États-Unis ainsi que la crise des migrants. Nous sommes des universalistes. Cet élément, en parlant du personnage, ne peut être accepté par l'UNESCO. Je suis africain et je suis profondément choqué par ces éléments, a déclaré le représentant permanent du Maroc et président de séance. La Belgique a elle-même condamné toute forme de racisme et de discrimination au cours de la session, se disant consciente de la gravité de la situation, tout en invitant la ville d'Ath à réfléchir par elle-même au message que diffuse son festival. Mais Bruxelles, au vu des débats qui globalement faisaient l'unanimité, a ensuite officiellement demandé le retrait avant que la décision ne soit adoptée. Certains membres ont cependant exprimé le souhait qu'au-delà de cette décision, le personnage incriminé soit retiré du festival. La Ducasdat, située en Wallonie du Sud, existe depuis le XVIe siècle et rassemble des dizaines de milliers de personnes le dernier week-end d'août, avec comme point d'orgue le cortège du dimanche, dont le sauvage est la vedette. La procession avait été inscrite par l'UNESCO en 2008 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, intégrée à l'élément géant et dragon processionnel de Belgique et de France, selon l'organisation onusienne dont le siège est situé à Paris. Plusieurs organisations se sont élevées ces dernières années contre les symboles qu'elles véhiculaient. En août 2019, le collectif antiraciste Bruxelles Panthère avait ainsi mis en circulation une pétition contre une pratique assimilée au blackface. Le fait pour un homme blanc de se grimer en personne de couleur est dénoncé comme un vestige de la mise en esclavage. Fin 2019, l'UNESCO avait déjà retiré de sa liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité le carnaval belge d'Alost, accusé d'antisémitisme. C'était la première fois que cette organisation prenait une telle décision. Regardons cette fois la présence dans le défilé d'un char caricaturant des juifs orthodoxes au nez crochu, assis sur des sacs d'or qui avaient indigné les représentants de la communauté juive de Belgique, environ 40 000 personnes. Pour en savoir plus, j'ai voulu connaître un petit peu le contexte de l'apparition de ce fameux sauvage. A priori, celui-là est apparu au 19e siècle, selon Wikipédia. De nombreux groupes du cortège rappellent la tradition des carnavals et des cavalcades. On trouve la trace pendant une quinzaine d'années d'un char des Chinois, une pagode occupée par un empereur entouré d'une chorale de mandarins. Un char écossais représente une grotte avec un roi et une reine. Le char des Indiens tiendra 10 ans. 40 atois, à la tête noircie,
avec un anneau dans le nez, sont munis d'arcs et de flèches. Il s'agit en fait d'un mélange d'Africains, d'Indiens, d'Amérique et d'Inde. Les Bédouins et les Grecs sont également mis à l'honneur. Il ne subsiste de nos jours, de cet exotisme de pacotille, que le sauvage, sur la barque des pêcheurs napolitains. J'ai trouvé, sur le site officiel DAT, un petit article qui me semble intéressant. 6 siècles d'histoire. Depuis le 15e siècle, la Ducasse célèbre chaque année, le dimanche avant le 28 août, la consécration ou dédicace de l'église paroissiale. Elle commémore ainsi son patron Saint-Julien de Brioude. À l'origine, ce sont des groupes religieux qui défilent et illustrent des histoires pour enseigner des épisodes de la Bible ou de la légende dorée. Au cours des 16e et 17e siècles, les crises politiques et les conflits religieux transforment la procession. Des figures nouvelles venues de traditions festives européennes apparaissent aux côtés du Goliath, comme les chevaux jupons ou les hommes de feuilles. Ce géant reçoit une femme en 1715 et devient l'emblème de la ville. Les serments et les confréries défilent en compagnie des autorités civiles, du clergé régulier et séculier. Les Lumières du XVIIIe siècle influencent la thématique des figures merveilleuses, animales ou mythologiques. Par contre, la période révolutionnaire impose un rationalisme austère qui entraîne la suppression des festivités durant quelques années. Ce n'est qu'après le Concordat et le rétablissement de la religion catholique que s'affirmera le renouveau. En 1819, la procession devient un cortège laïque suite aux mesures du gouvernement des Pays-Bas visant à libérer la religion des coutumes héritées du Moyen-Âge. Le 19e siècle amène de nouvelles orientations. L'histoire locale, le civisme, le nationalisme laissent des traces durables alors que se perdent progressivement les derniers sujets religieux. L'exotisme et le goût du spectacle inspirent les organisateurs à l'époque romantique, mais ne laisseront qu'un héritage limité après 1900. Au lendemain de la Grande Guerre, l'exaltation patriotique influence le défilé, mais ne peut empêcher le retour des rituels. Le XXe siècle se caractérise par la volonté de retrouver des thèmes anciens, bien visibles tels que le retour du cheval Bayard, de Saint-Christophe sur Échasse ou même de Tyran. Cependant, à la fin du siècle, quelques éléments nouveaux sont liés à l'actualité politique ou sociale, comme la fusion des communes ou le brûlage des marronnes de Goliath. En ce début de troisième millénaire, les Athois sont les héritiers d'une manifestation vieille de plus d'un demi-millénaire, qui a conservé de génération en génération le combat de David contre Goliath, issu de la procession d'origine. Les autres géants apparaissent à partir du XVIIe siècle, à l'initiative des serments et confréries, et le cheval Bayard a été reconstitué après une interruption de près de 4 siècles. Le cortège présente un patrimoine constitué au XIXe siècle qui est soigneusement préservé et restauré. L'attachement de la population à la fête, transmis au sein des familles, est entretenu dès la plus tendre enfance. Il correspond à une volonté d'enracinement qui permet aux concitoyens de Goliath d'affirmer leur identité face à la mondialisation. L'objet de ce festival est donc clair. Pour en savoir plus, je vous ai mis en description les différents articles qui m'ont permis de vous faire cette vidéo. Je vous invite, si ça vous a plu, à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et pourquoi pas, folie, à regarder d'autres vidéos. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'intéresse.